Eh bien, salut à tous, c'est Barof et bienvenue pour une nouvelle série sur la chaîne. Pour l'instant, on laisse tomber Star Wars Republic Commando. Donc, Fearfield, c'est la... C'est, comment dire, la suite. Oui, c'est une suite directe du Fear qu'on a déjà vu ensemble. Ce sont, en gros, les DLC. Hein. 4 DLC, si je dis pas de bêtises. 2 DLC, pardon, Extraction Point et Perseus Mandat, qui sont deux DLC donc, qui existent aussi en galette. C'est en l'occurrence le cas pour moi. J'ai le jeu en disque, hein, que je fais tourner actuellement sur la Xbox Series X. Voilà. Donc, pour ce qui est du résumé, je vous invite moi à aller voir le Let's Play de Fear que j'avais fait à l'époque. Je vous mettrai peut-être un lien soit dans le descriptif, il faudra que je pense à le faire. Comme d'habitude, je vais capturer environ une heure de vidéo à peu près. Hein. Donc ne vous étonnez pas si à chaque épisode, je ne vous dis pas forcément bonjour. Je ne connais pas à l'avance la durée des épisodes. Je vais respecter le chapitrage, donc ce sera probablement des épisodes assez courts en général. Du coup, ils paraîtront assez régulièrement. Je vais essayer d'avoir un max de contenu en avance. Comme ça, je vais pouvoir ensuite quasiment tout vous mettre à la fois. Voilà, on est en difficulté minimum hein, pour plus profiter de l'histoire que de l'intérêt de me voir galérer éventuellement. Allez, bah écoutez, c'est parti. Campagne Extraction Point, intervalle 01, contamination. On est sur l'intro. Il est là. Nous ignorons toujours l'étendue des dégâts. On a réussi à joindre personne depuis l'explosion. Ça, c'est la fin. Que lui est-il arrivé? Dernier épisode de Fear. C'est quoi ce bruit? Ce personnage qu'on voit monter dans l'hélicoptère au dernier moment, hein, qui ressemble un peu à la fille de The Ring, hein, c'est une petite fille, enfin qui est maintenant une femme maintenant, hein, qui nous poursuit un petit peu dans le complexe qu'on a visité dans l'épisode, l'aventure précédente. Hein. Elle nous poursuit un petit peu tout le long du jeu. On ne sait pas vraiment qui elle est, ce qu'elle veut. Elle s'appelle Alma. On a réussi à faire exploser le complexe si je ne dis pas de bêtises, c'est un complexe qui fabriquait des clones de mémoire. Hein, je dis peut-être une bêtise. Donc voilà, nous on fait partie du FIR, hein, le First Hell Counting. je ne sais plus ce que ça veut dire. Enfin bref, voilà. Bon, allez, intervalle sur la contamination, conséquence, situation. L'explosion de l'installation Origine a dévasté la ville. Le statut de l'organisation FIR et des unités survivantes du détachement opérationnel Delta des forces spéciales, le SFOD-D, est inconnu. Mission. Restaurer le contact avec les unités FIR Westfold survivantes. On dirait qu'on est encore en vie. Pas brillant. Impossible de joindre qui que ce soit sur la radio. C'est pas bon. Nous allons devoir trouver une autre manière de descendre. N'êtes pas en état de crapahuté dans ce coup. Ça va bien. Vous avez l'air. Allons-y. Ok, bon. Oui, autre chose. Il n'y a pas de sous-titres, malheureusement. C'est quand même bien dommage, ça. Pas de sous-titres. Voilà. On devra faire sans. J'espère que ça le sont les... Parce qu'il se dira, s'entendra bien. Alors, comment on fait pour ouvrir? Je ne sais plus si c'est comme ça. Comme ça. Voilà, d'accord. Ah, pour sauter. Ah non, mais on saute pas sur le lit, c'est interdit. Moi, c'est quand mes enfants font ça, je râle. Oh, un petit flag, d'accord. Ça, RT pour déceler. Voilà, on va pas gaspiller de mun. Ah bah alors, si, pas finalement, si. On révise le contrôle pour viser, d'accord. Pour recharger.
Ok, bon, on va voir ce qu'il faut. Hein. Alors, je crois que le décor est effectivement parti, voilà. Donc, on va essayer de rejoindre nos copains, je pense. Oh, ça pue. C'est bon, hop, voilà. Ah, très bien. Se restaurer avec Y, d'accord. Pour l'instant, on est bien. Je vais essayer de me rappeler des contrôles, parce que, bien sûr, ils ne sont pas comme les autres jeux, évidemment. Oula, 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 oula. On va par là, je crois. Voilà. Et on va ici. Là, on se baisse, d'accord. Ok. On avance. Évidemment. La lampe torche, elle est là. Donc, elle a une durée limitée. Hein. Il faut qu'elle se recharge. Sinon, ce serait trop facile. Hop, voilà. On va y aller doucement. Ouais. C'est eux qui parlent, non? Non, ok. Donc, X pour activer, c'est-à-dire pour s'accrocher. Voilà. Attends, tac. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Nous allons prendre par la sortie de secours. D'accord. Oui, ils sont passés par là-bas, d'accord. On va essayer de les rejoindre. Allez. Alors, on a aussi le ralenti, logiquement. Voilà. On a aussi des choses qui sont... bêtises. Ouah, il y en a un autre là. Ouah, putain. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, mais je vous jure. J'ai déjà fait une bêtise. C'est pas grave. Ça met un peu d'animation. Allez, on passe ici. Clac, on se baisse. On passe par où? Par là, d'accord. Ok, donc, on est relevé ou pas? Oula, oula, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il m'a fait ça? Ok, je sais pas. Allez, il va falloir trouver un moyen de couper cette électricité, évidemment, pour passer ici. On va rien faire. Tuer les tous, ça me dit. Ok. Alors dans l'aventure précédente, on était confronté à un autre personnage hein, qui lui dirigeait les clones, avait le moyen de diriger les clones. Qui sont là. Lui, endormi. Il est en sommeil. En pédale, les réplicables sont désactivés. À présent, il est mort. Voilà. Préventive. Gardez okay. Votre radio allumée, nous nous retrouverons sur la route. Ça, c'est un copain, je crois. Dans le doute, quand même. Ah, très bien ça. Ok, allez, on va. Je pense pas qu'on puisse courir hein, dans ce. Qu'est-ce qui se passe? Oula! Ok. Ok, ok. Ouais, mais alors, dis donc, je vais peut-être pas gaspiller toutes mes munes. Comment on récupère le. Comment on change de d'arme? Non. C'est pas ça? C'est ça, d'accord. Voilà. Bon. Parce que le souci qui peut se poser, s'il se réveille. Quelque chose ne va pas. Ah, bah oui. Quoi? Non, ça va pas. Ce qui va pas, c'est de se retrouver à devoir flinguer des mecs comme ça. Oh, ce sont bons, des mecs si on veut. Hein. Oh là, très bon ça. Les villes ne se vident pas aussi vite. Oh, puis il y a ça aussi. Hop, non, non, j'ai vu un... Voilà, ça. Super. On va garder ça pour l'instant. Lui, on peut... Ah bah oui, on peut considérer qu'il est mort. Ah non, non, sa tête, elle est où? Elle est là, sa tête. Dans le doute. Ok, là. Voilà. Et puis toi. Voilà. Il n'y a pas d'autre, hein, je pense pas. Là, on peut pas avancer. Et là non plus. Ok. Allez, on va aller par ici.
Ok, quelque chose de pas logique. C'est pas quelque chose même de, j'ai envie de dire, d'anormal. On va prendre le pompe, dans le doute. Je sais, ça n'a pas de sens. Plus grand chose n'en a. Vous m'avez tué. Et je n'ai pas aimé ça. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on peut ouvrir aussi? Ouais. Ok, allez. Ok, attention, attention. Là, il y a du monde ou pas? Ok. Alors, toujours le même problème de particules, hein. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, il se passe que... Bah, il se passe que c'est pas normal. Ok, attendez, avant d'aller voir ça, est-ce qu'on peut ouvrir ici? Non. Là, est-ce qu'on peut passer? Oui, mais ça n'apporte rien. Par contre, je pense qu'il va falloir descendre, effectivement. Ok. On va récupérer les mules, hein, tout ce qu'on peut. Très bien. Allez, on descend. Bah ouais, c'est parti. Voilà, nous voilà arrivés à la fin du premier épisode. Donc voilà, où ce que moi, à quel moment moi je vais couper mes vidéos, c'est-à-dire lorsque moi j'aurai ce genre d'écran, je ferai un petit montage évidemment, parce que ça aujourd'hui je vous le montre, mais ça c'est le début du prochain épisode normalement. Hein. Donc je ferai ma coupure juste avant ça, logiquement, et puis dans les prochains épisodes évidemment. Hein. Et puis voilà, donc je vous dirai pas systématiquement bonjour, merci, au revoir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce début d'aventure vous plaît, j'espère que ça va vous donner envie de regarder la suite. Et bah écoutez, en tout cas, moi je poursuis directement. Allez, je vous dis à tout de suite.